La-l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 a-
c'était un choc. Enfin, ça doit être quand même dur d'avoir revu Justine et puis qu'elle soit repartie. Bah écoute, Annette, c'est peut-être pas la peine. Mais écoute, Joël, Justine, c'est ma meilleure amie. Jérôme, c'est son fiancé, alors c'est normal que je m'occupe de lui. Laisse, Joël, j'ai l'habitude. L'habitude? T'as l'habitude d'être malheureux, mais c'est super dur. Mais non, puis tu sais, Justine est partie, d'accord, mais bon, je l'ai déjà eu au téléphone, et puis elle revient pour les prochaines vacances. C'est pas si loin que ça. Bah oui, mais maintenant que tu sais qu'elle a flirté avec Michael, tu dois te poser plein de questions. Oh, je te comprends, c'est... Mais c'est pas très délicat. Écoute, Joël, Jérôme a besoin de moi, alors laisse-moi lui parler. Laisse, Joël. Il y a des moments où il faut savoir s'incliner devant les femmes. Ouais, je crois que t'as raison. Mais... Enfin... Pas devant Jérôme. Je peux pas attendre qu'il aille mieux. Oui, mais pourquoi? Mais enfin, on va pas exhiber notre bonheur devant quelqu'un qui souffre. Non, mais c'est vrai, ça. La vie est vraiment mal faite. D'un côté, moi, j'ai tout le bonheur que je veux. Et de l'autre, t'es super malheureux. C'est la vie. Bah oui, mais enfin, quand même. Enfin, je comprends Justine. Bah, je comprends vraiment qu'elle t'aime. Toi, au moins, t'es un homme, un vrai. Oh, zut. On était tranquille. T'inquiète pas, elle va pas nous déranger longtemps. Alors, comment va l'inconsolable esselé? Bah écoute, t'as vraiment pas de chance, tu l'as raté de peu, il vient de partir. Très drôle, hein? Bon, je peux m'asseoir? On peut dire non. Non. Alors, mon petit Jérôme, tu tiens le coup? Qu'est-ce que tu vas me raconter encore? Que tu vas attendre Justine toute ta vie? Non, là, aujourd'hui, j'avais envie de varier un petit peu. Alors, avec Joël, on a décidé de s'engager dans la Légion étrangère pour éviter de se faire agresser par toujours les mêmes filles. Bon, maintenant que vous avez accepté de descendre de votre chambre, on peut y aller? Non, on a descendu de notre chambre pour faire plaisir à Madame Gérard. Mais on n'a vraiment pas envie de sortir. Bah, vous êtes encore là? Évidemment qu'on est encore là. Sinon, vous ne poseriez pas la question. Apparemment, c'est pas le jour, hein? Pas vraiment. Excusez-nous, Monsieur Gérard. C'est pas contre vous, mais... La vie ne présente plus d'intérêt pour nous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Vous connaissez la phrase « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Ah oui, bien sûr, c'est Lamartine qui écrit ça, je crois. Oh, je ne sais pas si c'est Martine ou quelqu'un d'autre, mais je peux vous dire que c'est vrai, cette phrase. Elle parle de Michael. C'est trop injuste qu'on ait rencontré un garçon comme ça et qu'il soit reparti si loin. Ah ben. Évidemment, si ça vous met dans cet état... Bon, les filles, on va à la cafette. Vous savez, il y a plein de garçons à la cafette. Eh mais oui, t'es bien raison. Il y a peut-être plein de garçons très très bien qui vous attendent là-bas. Bof, à côté de Michael. Ça m'étonnerait qu'il y a des garçons bien à la cafette. Bon, écoutez les filles, imaginez que Justine ne soit pas allée aux États-Unis. Pourquoi voulez-vous qu'on imagine ça? Imaginez seulement, d'accord? Ok, d'accord. Bon. Alors, si Justine n'était pas partie pour les États-Unis, elle n'aurait jamais rencontré Michael. Et donc, elle ne l'aurait jamais invité à la maison. Et vous, vous n'auriez eu aucune chance de le rencontrer. Je comprends pas. Où vous voulez en venir? Non, mais je veux simplement vous faire comprendre que la vie n'est qu'une suite de hasards. Il y a peut-être des garçons très bien qui vous attendent à la cafette ou ailleurs. Et alors, c'est certainement pas en restant là, assis sur ce canapé, que vous aurez la moindre chance de les rencontrer. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'a peut-être pas tort? Roger, tu es génial. Oh, tu sais, on l'est tous un peu. Mais c'est d'accord, vous nous avez convaincus. On va à la cafette. Il y a peut-être quelqu'un qui nous attend là-bas. Alors, Debbie, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi. J'arrive, les filles. S'il y a quelqu'un qui nous attend, ce serait idiot de le rater. Oh, bah non! Qu'est-ce que tu veux, Jérôme? C'est la vie. Tu sais,
Le destin, on peut pas lutter contre. C'est comme Justine. Elle est partie et t'as rien pu faire. Tu vois, c'est un petit peu comme cette balle. Tu l'aimais peut-être bien et elle est tombée dans un trou. Écoute, tu veux pas le laisser jouer? Laisse tomber, Joël. Je t'ai déjà dit que j'avais l'habitude. Écoute, Joël, c'est pas parce qu'on est ensemble que tu dois te mêler de mes affaires avec mes vieux copains. Non, non, mais... Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Salut, Debbie. Mais excuse-moi, à deux minutes, je perds ma boule et j'arrive. Hein. J'espère que c'est pas à cause de moi. Non, j'avais plus envie de jouer de toute façon. On existe, nous aussi. Excuse-moi, Annette, mais on s'est déjà vu tout à l'heure. Oui, mais t'as pas vu Joël? Ça va, Debbie? Bah écoute, fais pas attention, elle est un petit peu excitée aujourd'hui. Hein? Attends, là. Excitée? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu veux dire que j'ai tous les problèmes sur le dos, plutôt. Alors, entre Monsieur Gérard et son bébé, Jérôme qui est au bord du gouffre à cause du départ de Justine, moi, je dois assumer tout ça avec le sourire. Non, mais vraiment, vous croyez que c'est facile? On comprend, Annette. Ton rôle est tellement difficile à assumer. C'est bien ce qu'on pensait, hein. Il n'y a pas de garçon qui arrive à la cheville de Michael ici. Un peu de patience, il va peut-être arriver. Ah ben, j'ai ça aussi comme problème. J'avais oublié. Salut tout le monde. Bonjour. Salut. Salut. Ah ben, t'as bien dit, hein. Salut. Elles sont coincées? Non, je crois que c'est ton ami qui leur fait de l'effet. Et toi, ça va? Ça va. Je vous présente Igor. C'est mon cousin. Il est bulgare aussi, mais ça fait 10 ans qu'il est en France. Bonjour. Bonjour. Tu as entendu? Il vient de Bulgarie. Mais il avait raison, Monsieur Gérard. La vie est faite de hasard insensé. T'inquiète pas, elles sont tout le temps comme ça. Mais tu vois, pour une fois, je les comprends. Il est vraiment très mignon, ton cousin. Salut, moi, c'est Annette. Excuse-moi, Joël. Je le trouve beau, c'est tout, hein. Faut pas t'inquiéter. Nous aussi, on peut faire la bise pour voir si c'est aussi bien à toucher qu'à regarder. Vous êtes jumelles, non? Oui, toutes les deux. Bon, bah, puisque l'ambiance est bonne, qui veut se faire une petite partie? Ouais, bah moi, je veux bien. Hein. Moi aussi. Oh, moi, je vais peut-être vous regarder. Oh, s'il reste une place. Oui. Nous, on préfère regarder Igor. Je vais bien jouer, moi aussi. Oui, mais il n'y a plus de place, là. Salut, tout le monde. Salut. Bonjour. Ah, mais dites-moi, il y a un nouveau? Oui, c'est Igor, c'est mon cousin. Mais il est déjà pris, on l'a vu avant. De toute façon, tu sais très bien que pour toi, tous les Bulgares te font penser au yaourt. Ouais, toi, ça va? Bah, moi, ça dépend des moments. Il y a des moments où je me dis que tout va bien, je suis jeune, j'ai de la chance. Ça va, quoi. Puis d'autres. D'autres, tu te demandes pourquoi la boule du flipper ne fait jamais ce que tu veux qu'elle fasse. Exactement. Comment tu sais ça? C'est la même chose pour moi. Ah oui. Ça va, Michael te manque pas trop? Tu vois, je sais même pas. Bah, pourquoi ça avait l'air d'aller entre vous? Oui, on a un peu flirté ensemble, mais pour le reste. Et ça n'a pas marché? Ben, Michael, il était sympa, mignon, agréable. Mais il n'y avait pas la petite étincelle, quoi. Ah oui, oui, la petite étincelle. Et Justine, elle te manque pas trop? Ben moi, tu vois, le problème avec Justine, c'est que la petite étincelle, elle est toujours là. Tu t'appelles vraiment Igor? Ben oui. C'est beau comme prénom, ça fait rêver. Bon, dites les filles, vous voulez pas laisser Igor un peu respirer, là, hein? Vous allez finir par l'étouffer à force de vous coller contre lui comme ça. Mais elles sont marrantes. Tu as entendu, mademoiselle, je sais tout. Ils nous trouvent marrantes, nous. Et nous, au moins, on s'est jamais moqué des Bulgares. On les a jamais comparés à des yaourts. Pourquoi est-ce qu'elle parle toujours de yaourts? Laisse tomber, je t'expliquerai après. Dis-moi, Svetlana, je trouve ton cousin vraiment très mignon, très sympa et très drôle. Tu aurais dû me le présenter avant. Elle me cachait exprès. Bah, elle a raison de cacher ses trésors si elle ne veut pas se les faire voler. Par des pimbèches excitées qui draguent n'importe qui. Arrêtez les filles,
sinon Igor va penser que toutes les Françaises sont hystériques. Oh, mais elles le deviennent quand elles rencontrent des beaux garçons comme ça. Dis donc, mais t'as de ces muscles. J'ai fait beaucoup de sport. Nous aussi, on peut toucher. Ça a l'air pas mal. Bah... T'en fais pas, Igor, elles sont tombées dans la colle quand elles étaient petites. Vous voyez pas vous déranger. Vous allez tout de même pas vous battre. Non, mais laisse tomber, Svetlana. Elles n'ont aucune chance. Bon, tu vas voir comment on embrasse les Françaises. Ne dites rien, les filles. On a tout vu. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve de mieux que nous? Mais qu'est-ce qu'on a de moins qu'elle? Écoutez, les filles. Dis-moi, Joël. Tu devrais pas être en train de travailler à cette heure-là? Ah, il me reste encore 5 minutes. Oh bah oui, mais t'as vu l'heure? Il faudrait vraiment que tu ailles maintenant parce que sinon, sur ta mobilette, il va falloir que tu roules vite et je trouve ça vraiment très dangereux. Hein? Allez. Bon, d'accord. Bon, allez, à plus tard. À plus tard, mon amour. Tu es dur? Il est gentil. Tu l'as presque jeté dehors. Écoutez, les filles, on va pas laisser Isabelle gagner avec Igor. On va se venger. On y va. Bougez pas, hein. Restez là, restez là. Allez, poussez-vous. Viens par là. Pas mal, Annette. Mets-toi là avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais rien. Bon, allez, poussez-vous, vous gênez là. Allez, malade. Parce que là, ça devient dur. Non, il en faut encore moins. 2 ou 3. Enfin, il nous en faut plein, quoi. 2, 3. Tiens, tiens, tiens. Viens par là. Toi, viens ici. Ah, excuse-moi. S'il te plaît, merci. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous voyez pas que vous gênez? Oh, non, mais c'est pas vrai, allez, ça va, allez, allez. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un casting, c'est ça? Oui, en quelque sorte. Mais ne vous inquiétez pas, tous les frais sont à ma charge. Mes parents m'attendent. Ne vous inquiétez pas, vous nous laissez le numéro de téléphone, on les prévient. De toute façon, ça va aller vite. Bon, alors, écoutez-moi bien. Une seule consommation par personne à la cafette. Sinon, les frais seront à votre charge. C'est bien compris? Bon, alors maintenant, je vous donne les instructions. Ne dis rien, on est tellement bien comme ça. Tu sais, Igor, je suis vraiment très contente de t'avoir rencontré. Je suis sûre que nous allons devenir très proches. Je pense, Isabelle. Je vais venir souvent maintenant. Je t'attendrai toujours. Tu peux pas savoir comme mon cœur bat. Tiens, regarde, touche. Tu vois, c'est là. Tu t'en vas, Svetlana? Oui, je crois que je suis en trop. Faites connaissance, j'ai des choses à dire à côté. Salut! Je suis sûre que vous parliez de Justine. Oui, si on veut, ouais, d'une certaine façon. Et toi, ça va? Dis donc, il fait de l'effet, ton cousin. C'est le moins que l'on puisse dire. Moi qui lui avais demandé de venir pour me tenir compagnie, c'est raté. Bah écoute, ça a pas l'air raté pour tout le monde. Je ne comprends pas ce qu'elle lui trouve. Oh, tu exagères, il est plutôt mignon. Oui, je m'en rends pas compte. Ça doit être parce qu'on se connaît depuis toujours. On est confrères et sœurs. Allez, on peut les voir. Bon, alors, vous voyez ce garçon-là qui est dodo? Alors, vous faites bien tout ce que je vous ai dit, hein? D'accord, Annette. Ok, on y va. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas que vous dérangez? Et dis donc, toi, tu vas pas nous empêcher de faire le casting? Annette nous a prévenu. Tu veux la place? Pour toi? Mais un casting, ça, un casting. En plus, il est mignon. Et ses yeux, vous les avez vus? Je m'appelle Valérie. Je vais te donner mon numéro de téléphone. Non, on prend plutôt le mien. Je m'appelle Alice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est toi qui as monté ça, évidemment, hein? Moi? Ah, bah alors là, je vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Je suis sûre que c'est moi que tu vas choisir. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es face et chacune son tour. Non, mais ça va pas, toi, hein? Mais...
Mais non, c'est une sacrée vedette, ton cousin, hein. Je sais pas ce qu'Annette et les jumelles leur ont dit, mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher. Le pauvre Igor, lui, qui était un peu timide avant, je crois qu'après la séance d'aujourd'hui, ça va lui passer. C'est vrai que ça peut agiter. Bien, je connais un endroit beaucoup plus calme. Il y en a une autre en plus. C'est pas possible. Oh non. Assieds-toi. Tu as raison, c'est beaucoup plus tranquille ici. Sauf si François passe, évidemment. Oui, mais ça, il a pas trop intérêt. Quand je pense à la tête d'Isa quand ses filles se sont approchées d'Igor pour l'embrasser, le pauvre. Le pauvre. Je trouve que ça doit pas être désagréable d'avoir des filles qui se bousculent pour venir vous embrasser. Ah bon? Toi, ça te plairait? Enfin, ça dépend des filles. Ça dépend de la fille.